Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui bienvenue, on se retrouve sur Heavy Rain, l'épisode 11, incroyable mais vrai, pas mal de retard. Tous ceux qui me suivent tous les soirs en live à 19h sur ma chaîne Twitch savent pourquoi, j'en suis navré, mais croyez-moi que dans les heures, jours qui viennent, vous allez être gâtés. Si je suis absent, c'est rarement pour rien. Je suis toujours dans l'ombre, ne vous en faites pas. On est parti ! Direction le détective privé, bien évidemment. Et n'oubliez pas que nous sommes à la quatrième et dernière épreuve avec Ethan. Je sens que ça va partir en couille très très vite. Il va falloir être full concentré à partir de maintenant. Direction un antiquitaire. Jeudi, 11h10. 84,63 ou 65 mm. On n'est pas à 2 mm près, quand même. Ça peut aider, mais on n'est pas à 2 mm. Bonjour! Manfred? Je vois que Manfred n'est pas là. Et quelqu'un? Très bien, il y a des machines à écrire. Souvenez-vous ce qu'il a dit. Ça a sûrement été écrit depuis une machine à écrire la lettre que les victimes recevaient. Les victimes qui s'étaient fait kidnapper leur enfant. Donc, pourquoi pas les voir? Un pro apparemment des machines à écrire, le boss des machines à écrire. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des horloges. Attendez, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Sait-on jamais, comme on dit dans le milieu de tout ce que l'on sait jamais. Peut-être a-t-il quelque chose à dire. J'ai été stupide d'accepter qu'elle me suive. Elle veut m'aider, mais elle est dans mes pattes. Je lui parlerai sur le chemin du retour. Bizarre, cette rencontre avec Charles Kramer au club de golf. Je me demande pourquoi il s'inquiète tant de mon enquête sur son fils. C'est vrai que le Kramer était assez louche. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott. Oh Scott. Oh, oui bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, mais c'est la voix de Morgan Freeman, je suppose. Le boss. Enfin, le doubleur de Morgan Freeman. À mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé, maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh. Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Oh, il est trop gentil. Ça fait plaisir de revoir Manfred. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oh, j'ai tellement peur. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Bien sûr, j'y vais. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. C'est bizarre. Ok, on n'en saura pas plus. Peut-être le hasard. Très bien. Bah alors, mon Scott. Attends, hop. On va se mettre devant, peut-être. Allez, trinquons. Allez, à nos retrouvailles. Ah. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Allez, on va lui montrer El Famoso lettre. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il te plaît. Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Ok. Juste. Ah. Dans la réserve. Mais non, mais c'est les toilettes! Oh putain, mais je suis totalement débile. La lettre est là-haut, mais oui, c'est clair! Qu'est-ce que je fais? Bah oui, le comptoir. Non, mais. Alors, non, c'est moi qui suis débile, mais en soi, genre, il avait montré. Je suis pas fou derrière la vitre, tu vois.
Ok, on va lui montrer. C'est le boss, hein. Lui, c'est le boss de tout ce qui est machine écrite, hein. On l'appelle Arabesque, hein, pour ceux qui ont connu, les plus vieux d'entre vous. Merci. Voilà. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une royale 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Oh, le boss! Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares? Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Très bien. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royale 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Il est tellement adorable. Vous pensez que le tueur est passé par ici ? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Très bien. La musique qui commence comme ça, c'est bizarre. Ok. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les papiers de Manfred. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Quoi ? J'aurais peut-être aller jeter un coup d'œil. Quelle est cette sombrerie ? Allô ? Manfred ? Manfred ? Allô ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allô ? What? Mais qui a tué Manfred? Oh mon dieu. Il est mort. Oh merde. Quoi? Pauvre Manfred. Il méritait pas de finir comme ça. Mais tout le monde s'en bat les couilles! On vient de perdre Manfred, les gars! What? Oh mon dieu. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse! Elle est con! Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. Oh putain. La police va pas tarder. Faut que je me souvienne de tout là? Allez. Ok. Déjà on va faire ça. Ok. Allez hein, un petit coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on a touché? Là, faut que je m'en rappelle. J'ai été touché quasi. Allez, voilà. La loupe. Voilà. Bon, allez, ça coûte pas plus cher de bien nettoyer. Et ça, c'est cadeau, hein. C'est pour Manfred qui est parti bien trop tôt. Je lui fais sa vaisselle au frérot. Ok.
Elle est où la boîte à musique de Jésus? Elle est là. Voilà. J'ai rien touché d'autre normalement. La poignée. Voilà, ça faut pas oublier. Bah ouais, les gars, on est rentré par là quand même, hein. J'ai pas l'air d'un con à secouer ma manette, doux Jésus. Et surtout le visage. Le visage de Manfred. Manfred, il est où? Attends. La caméra! Mais j'ai touché son visage? Dans les shots, j'ai rien fait, je crois. Vite. Il faut que je retrouve tout ce que Lorraine ou moi avons touché. Ah ouais, putain, Lorraine, elle a failli appeler la police ici. La boubourse. Voilà. Scott, des verres. La police va arriver d'une seconde à l'autre. Ne pas oublier non plus d'effacer les empreintes de Lorraine. Je veux pas qu'elle soit mêlée à ça. Ok. Ok. Et j'ai rien touché dedans. Je crois qu'on a tout fait. Les flics ne vont pas tarder. Il faut que je fasse vite. Je crois vraiment qu'on a tout fait. C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes? Je crois, ouais. Putain. Je crois. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Hop, il vient de retoucher avec ses mains. C'est terminé, je suis en 11 demain. Ok. Bon. Un tueur a réussi à s'initier dans cette petite boutique de brocanteur pendant qu'on était dedans pour le tuer. Incroyable. La victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Ah d'accord, ok, bon, on se retrouve au comico. J'ai quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. C'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. Expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok. Ok, ça c'est... J'ai pas dû effacer toutes les preuves, alors je vois pas ce que j'ai pu oublier. Oui, énervé, cligne des yeux, cousin. Ça alors, Scott Shelby. Des soucis? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est? Mille pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Je te remontrerai ça. Ah, ok, ils se connaissaient, très bien. Sur quelque chose en ce moment? Disons que j'ai quelques idées, mais... Oh, le son un peu fort, ils abusent. Jamais ça devenait plus que... Putain, la musique, ils abusent, les gars. Ça va, frère. Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? C'est pas un jeu. On va la résoudre. Je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. C'est... Eh ben vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Quoi? Arrêtez cette putain de voiture! Elle est totalement malade! Mais putain, c'est pas détecté! Merde! Ah, catastrophe! Je suis à deux doigts de bouillir, là, dans cette voiture, hein! Complètement con, l'autre, aussi, là! Abruti! Si vous voulez pas m'aider à retrouver ça, locatier, mon Johnny, je me débrouillerai toute seule! Allez, casse-toi! Protéger. Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça.
Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de le rattraper. Allez, on va sortir. Reste pas sous la pluie, bébé. Ça fait 2 heures que t'es devant mes phares. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Ouais. C'est pareil. Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le faire encore une fois dans mes bras. On va s'excuser. On va peut-être pas la caresser, peut-être pas le meilleur moment. Je suis désolé. J'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Juste que... je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. C'est mignon, c'est honorable. En vrai, je crois, je ne dis pas n'importe quoi, si je ne m'abuse même, je crois que j'aurais pu l'embrasser. Voilà, j'aurais pu l'embrasser et un début d'amour, peut-être, qui sait. Mais j'ai préféré m'excuser, je pensais que j'avais d'autres choix, pas du tout. Ok, quatrième épreuve, je suis foutu. Hein. J'ai déjà perdu un doigt. Et je dois tuer quelqu'un. Fais chier. Ne pas le regarder dans les yeux. Juste non, c'est pas tirer. Ça. Il ouvre, je tire. Je regarde pas. Je dégage le plus vite possible sans me retourner. Allez, prends ça, Sean. Je peux pas faire ça. Sean. J'ai pas envie de tuer un gars. Le mec un peu trop insistant. Bon, il va l'ouvrir. Ouais, ce que tu veux. J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir de camé chez moi. Ah, c'est un si t'en veux, il faut que t'appelles avant, mec. C'est pas là. Pars-toi. Ok. Je peux pas, je peux pas. Je vais pas tuer un gars, putain. Merde. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de dégager. S'il me touche, par contre... Il va m'attirer des embrouilles, et j'ai horreur des embrouilles. Fous le camp. Mais je suis qu'une victime. Quoi? C'est pas moi qui est sorti, mais... je vous promets. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Oh! Je vais te crever. Esquive! Oh bah là c'est légitime défense les gars! Ok. J'esquive tout. Ok. Ok. Ah! Putain, j'ai cru que c'était croix. Hop. Eh, un obstacle, c'est des livres Harry Potter. Ok. Ta gueule. Pour l'instant, je suis le boss. Ah, mais là, on est dans une chambre de gamin. Bah ouais, mais les gars. Par contre, ils voulaient me tuer en vrai. Non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai ta cam. Tu veux ta cam? Il est prêt. Je sais pas quoi faire. Où tu pars, mec? Je sais pas quoi faire. J'ai 2 gamines. C'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Après, c'est un ripou, c'est un dealer. Je vais pas le faire, je vais pas le faire. Moi aussi, j'ai un fils. Je suis personne pour juger, putain. Je suis pas un assassin.
Je suis personne pour juger, les gars. Il sera jugé de ses crimes. Mais là, prends-le en photo, fais comme si tu l'avais tué, putain. Fais du faux sang, fais quelque chose. Putain. Peut-être des regrets, je sais pas. À partir de là, j'aurai pas l'indice, je sais pas. On verra. Quoi qu'il arrive, il avait des gamins, il a fait des gamines, vous voyez, je ne suis pas un tueur, mais oui. Si je le tue, même s'il a fait des choses mal, ça ferait le moins tueur en fait. Je peux m'enlever un doigt, mais pas tuer quelqu'un. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je t'en voudrais ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi. Je te rappelle. Très très bien. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Ah, c'était pas con par contre, en vrai, genre... d'aller fouiller là, j'y aurais pas spécialement pensé. La bosse. Ouh, il a une tête de méchant, lui. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. Oula. Calme-toi, Pépito, hein. Ça a quoi te proposer si tu... C'est n'importe quoi, Florent. Appelle-moi à l'ouest. Faites la merde, hein. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? L'important, c'est qu'on se soit trouvé, non? Éludé, j'ai mis. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Oh! Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Ok. Putain, c'est horrible. On est tu à. Tu bois pas? On est à deux doigts de boire. Non. Si, bien sûr. Non, j'ai mis non. J'ai mis non. Tu te sens pas très bien? Ta maman ne t'a jamais dit de ne jamais accepter un verre d'un inconnu. Putain, on est à chaque fois à deux doigts de trouver qui est le tueur. Bon bah là, il va me faire une opération, je vais me réveiller, les gars. Ça va être terrible. Ah! Bah lui, il a une opération du cerveau. Bonjour à Mathieu. Il
prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Ok. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble. Je pense que ça sert à rien de hurler. Je l'ai loué à mon ami Paco. Est-ce que tu veux tout savoir? Ok. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être qu'hurler peut me donner plus de punch. Pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Bon, j'hurle pour le plaisir. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. On peut rien faire. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ma part. Ici. Alors je fais avec les moyens du bord. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Il suit ici. Cadavre ici. Ça risque de piquer un petit peu. Je vais me faire ça où ? T'as remarqué ? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Oui, bah oui. Laisse l'appareil à mes pieds. Bien joué, Einstein. Ok, ça va être chaud. Hein. Ok. Ok. Allez, on secoue comme des débiles. Ça fait plaisir. Voilà. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie. Bah ouais. Encore rien de 5 Putain. Dollars. Merci, mais ça m'intéresse pas. Ok. Non, mon frère, vous ne pouvez pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, vous marchez dans qu'est-ce qu'il fait? Car Saint Jean a dit... Merci beaucoup. Je mets des joueurs. Putain, ça marche une fois sur deux, c'est vraiment horrible. Ok. Oh putain, sérieux, mec. Ok. Hop, dans ta gueule. Je te déteste. Puis tes outils de... C'est pas du Bosch. C'est pas une Dodge Caïtad. J'ai été boss. Lui, il faut le tuer. Hein. Lui, il est juste totalement timbré. Oh non, mais allez, bloque-le, bordel. Quoi, j'ai pas vu. Ah, ça doit faire trop mal. C'est pas vrai, hein. Hop, dans ta gueule. Oh, dans tes couilles. Mais non. Ah, dans ta gueule. Putain, mais c'est... C'est jamais détecté, donc j'ai... Allez, hein. M'emmène-nous comme ça, Coco. Hein. Dans le look, Coco. Ouais, Coco, dans le look. Ok. N'oubliez pas que la moindre erreur, je peux mourir. Mais vraiment mourir. Et donc perdre Madison à vie. Oh, c'est beau ça, on a tourné. Ça me fait plaisir. Petite patate. Tu me touches pas. Monsieur, je suis pas... Je suis pas consentant. Aïe. Oh, il m'a éclaté la gueule. Quoi? Vas-y. C'était un prank, mon pote. Eh ouais, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Bolos, on se fait victime? Tiens, dans ta gueule. Putain, on n'aura jamais le nom du tueur, c'est pas vrai. J'aurais percé le crâne pour la peine. Craché à la gueule aussi. Voilà, je pense que personne va venir nous gêner, même si la police vient. Ils vont pas faire l'effort de retrouver.
le Blue Lagoon. Très bien, c'est l'indice que j'ai. Et on va, bien évidemment, s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. À bientôt, Reine de l'évasion. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est Bibi qui régale. On met start. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.